j'espère que vous allez bien. Mais attends, non, je vais t'introduire tout à l'heure. Ok, on recommence. Coucou. Hello, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Mélanie. Hello. Voilà, maintenant tu peux le dire. Et on se retrouve pour une dégustation de la Ni Unbox. Pardon, en fait, c'est la Umai Box. Donc en fait, Ni Unbox, c'est un site avec des box de nourriture japonaise ou de nourriture et de cuisine japonaise. C'est en fait une box mensuelle et ils m'ont envoyé un mail genre oh, est-ce que tu veux goûter? J'étais oh mon dieu, enfin moi je vais trop goûter ça. Et du coup, il m'a envoyé une box. Je sais, il y a énormément de trucs et tout. Il y a même on a un petit fascicule avec avec tout ce qui est dedans, parce que sinon si tu regardes les écritures. Ouais, c'est en chinois donc on comprend pas trop. Je peux pas. Hey, tu vas avoir des problèmes avec tes abonnés avec les abonnés asiatiques. Genre c'est écrit en japonais, on comprend rien. Alors du coup, il y a tout ça. Bon, peut-être commencer par les trucs salés et puis c'est écrit en dessert, tu vois. Friandises bonus tous les mois, c'est ça. Attends, attends. Voilà, ouais, si si. Okay. Bah tiens, je vais lui montrer. Tu vas faire la madame, tu sais la meuf à l'époque là, dans leur sticky, la blonde là qui faisait machin, qui fait la pub Château d'Axe. Je sais pas moi, son nom. Ouais, mais tu vois ce qui parle? Non. Celle qui s'est déjà présentée dans je sais pas quel truc là. Je sais pas. Alors voici les friandises bonus. Vas-y, la chaise grince et tout là. T'es sûr que tu vas pas une autre chaise? Madame. Ah, mais on sera plus fort. Basse. Oh, putain, mais il est cassé. Si je m'écroule pendant la vidéo, c'est normal. Bon, moi je me suis assise. Hein. Tu t'assises ou pas? Ok. Mais je vais d'office être trop basse, hein, regarde. T'as pas un deuxième cousin? Attends, je vais m'en chercher. Bon, bon, c'est vrai. Galère. On va séparer quand même les salés, mais je sais pas, meuf. Non, mais là, il y a trop de cousins, meuf. Mais non, je vais tout dire. Peut-être sur un enfant, sur un vrai ancien, un I4, quoi. Ça va comme ça? Ouais, ouais, voilà. Ouais, ça va comme ça. Le problème, c'est que t'es super grande et que toutes tes potes ont une taille normale. Au pire, on commence par la boisson. Du coup, la boisson, c'est melon crème soda. Donc, boisson réfrigérante par excellence, le melon crème soda. Se compose d'un soda saveur melon sur lequel on vient déposer une boule de glace. Ah, j'ai pas de glace. Ça sent bon. Cheers. Je bois tout en deux coups. Regarde. Oh, ça sent bon. Ah, ça sent bien et bon. Ça sent vraiment le melon. Ah, ça sent le melon, ouais. C'est trop bon. Non, mais c'est trop bon. Ouais, c'est vraiment bon. Vraiment bon. Bon, on va laisser là comme ça, sinon ça. Si y a un truc dégueu, au moins on le boira. Voilà. C'est des chips saveur takoyaki, je crois. En japonais. C'est quoi takoyaki en fait? J'ai franchement aucune idée. Ah, mais c'est ça les takoyaki? Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, vas-y, on ouvre. Il y a plusieurs saveurs différentes. Les japonais, ils sont musclés là. Depuis, j'en dirais pas, moi je suis encore moins fort. Mais c'est trop bizarre. Mais c'est super dur ce truc. Bah, c'était parce que ça fait un trajet, j'en sais rien. J'ai trop envie de sentir. Ça sent bon. Oh, c'est particulier. Ah, moi j'aime bien. Ça sent un peu la pizza. Trop bon. La pizza et le poisson. Attends, ça me fait penser à des chips. Ouais, des chips. Tu sais, les oignons. Enfin, vous avez les chips. Tu sais, les bugles là. C'est un mélange entre le bugles et l'oignon. Regardez mon chips saveur takoyaki. La bague. Prends le nunus. Ça goûte ça les takoyaki? C'est bon en fait. Ouais, c'est très bon. On dirait juste des bugles barbecue. Alors, snack saveur curry au poulet. Voici un snack de curry très japonais fabriqué à base de riz. Chaque biscuit a une forme d'étoile et est recouvert d'épices qui reproduisent très bien la saveur du curry japonais. Parfait pour avoir un goût de curry en une simple bouchée. Donc voilà. C'est pas la même odeur que le curry de chez nous. Non, c'est pas vraiment. Il est meilleur. On dirait les nouilles. Tu vois les nouilles à qui? Ouais, on dirait un peu l'odeur de nouilles à qui. Nouilles, mais. Ouais. Différente, je sais pas si. Mais ça a un meilleur goût que le curry d'ici. Parce que ce midi elle a eu des nouilles au curry dégueulasses. Ouais, mais en fait j'aime pas du tout le curry donc. Tu veux goûter ou pas? Donc voilà. Ouais, je vais goûter quand même, non? Bah il sent bon celui-là. Ouais, il a l'air bon. Ça goûte pas le curry? Bah c'est des chips aussi, c'est compliqué. C'est l'arrière-goût sur la langue qui est un peu bizarre en fait. En fait, leurs chips, on dirait qu'ils ont du goût que à l'extérieur et pas à l'intérieur. C'est pas comme les chips chez nous ou. Non, mais déjà la texture elle est un peu. Ouais. Bida. Elle est aérienne en fait, genre. Genre, bah c'est comme les chips ici, comme ça, mais ouais, hein. Comme les. Allez, focus sur mon chips. Alors là, au caramel, ouh. Enfin, ça a l'air ouais, ça a l'air d'être caramel, je sais pas ce que c'est. Kari-kari, caramel. Kari-kari. Kari-kari est une onomatopée japonaise qui désigne quelque chose de croustillant. Tu veux qu'on mange du kari-kari? Quelque chose kari-kari? Kari-kari.
Les japonais adorent les textures croustillantes. Ça va, je sais pas. Ce snack est vraiment très croquant et croustillant avec un délicieux goût de caramel intense. T'as quoi? Ah! Un cheveu. Au secours! Arrête de cligner. Là, sur le cil. C'est quoi cette vidéo désastreuse là? La vie est nulle. Ah la vache, mais vous voyez pas, mais c'était un poil de chat, genre. Là, vous le voyez pas, mais c'était un poil. Crap, fucking chat. Ça m'a fait pleurer quoi. C'est émotionnel les dégustations japonaises, je trouve. C'est moi qui ai fait exprès. J'étais mal à bout de tête. Oh la vache, l'odeur. D'un coup, t'as une odeur de caramel qui s'est dégagée là. Oh, ça a l'air trop bon. Oh mon dieu. Ok, finalement, on goûte pas non. Dégustation solo, hein. Chin. On se regarde dans les yeux, ça, c'est un malheur sexuel. Sexuel, bah oui, si tu rates. Si tu regardes dans les yeux quand tu traques, c'est 7 ans de malheur sexuel, je crois. Je pense que c'était juste 7 ans de malheur. Pas sexuel. Bah dites-moi dans les commentaires si vous, enfin, si vous pensez que c'est malheur sexuel ou malheur tout court. Moi, je mais c'est super dur à dents. C'est vraiment bizarre. En fait, leur nourriture, ils ont des goûts, mais ils ont pas vraiment de goût. Genre, t'as du goût à l'extérieur, mais jamais de goût à l'intérieur. Ouais. Mais en fait, ça a un goût de caramel, mais pas de caramel sucré sucré. Un ouais, caramel c'est vraiment pur, enfin, je sais pas, c'est bon. Mais ça a pas trop de goût, enfin, moi, je me vois mal manger ça devant la télé, quoi. Au bout de 3, t'es écœuré, quoi. Ouais, t'es écœuré. Ouais, ça va, comme ça, c'est bon, quand même. Bah, on dirait juste un truc cramé. C'est pas mauvais. En fait, un truc cramé qui n'a pas le goût du cramé. Parce que c'est dur et ça a la même texture qu'un truc camé. C'est quoi là? J'ai fait un bol d'haricots rouges. Focus on me. J'en fous, il veut juste voir de tête. Biscuits remplis de haricots rouges et de matcha, des ingrédients indispensables pour la pâtisserie japonaise. Bonne âme. Cheers. Oh, c'est mou. Ouais, c'est mou. On dirait des biscuits qui ont trempé dans l'eau. Ouais, des biscuits mous. Ils ont pas vraiment de goût, hein. Ouais, je reconnais le goût du matcha et le goût de l'haricot rouge un peu. Il n'y a pas beaucoup de goût. Hein. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas bon non plus, je trouve. Ouais, en fait, on dirait juste qu'ils ont été ouverts. C'est un paquet de trucs qui a été ouvert. C'est comme ça. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a encore? On a ça. C'est quoi ça? Je crois que c'est au thé vert. Ah, on peut goûter ça. Hop. Langue de chat au matcha. C'est encore au matcha. Mais le matcha, c'est du thé vert, non? Oh, les biscuits sont gros. Ah, c'est quand même gros comme ça. Mieux que rester sur ma bouche. J'adore la texture. Ouais, la texture est trop bonne. Et même le goût, il est trop bon. Genre, c'est des petits sablés comme ça. Mais en fait, le sablé est bon, mais le matcha, je le goûte pas. Et ouais, voilà, ça en gros. On le goûte à peine. On goûte juste les sablés en fait. Donc, c'est bon quand même. Ouais, bon. C'est des trucs surprises. Genre, mais du coup, ils sont tous une boîte. Au début, je crois que c'était goût. Genre, tu vois, c'est bizarre. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On sent la nourriture pour hamster? Attends. Ah, les tiens sont bizarres, les miens sont meilleurs, je trouve. Ça sent la nourriture pour poisson. Bon app. Oh mon dieu. C'est encore un truc avec la même texture comme ça. Ah, c'est salé. Bon. Ah, il y a un dernier goût salé, mais ça a le goût des Cheetos, meuf. Et moi, ça goûte le poulet. Ah, mais c'était au poulet, il y a des poulets dessus en fait. Ah, bah moi, il y a un mec, un clochard bourré. Moi, il y a un clochard bourré dessus, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais bon, hop. Moi, il y a un petit poulet. Oui. T'es goûte? Ouais. Il est trop bon celui-là. Mais en fait, ça fait bizarre quoi. Ça fait comme un Cheeto mais goût poulet. C'est trop de space. Moi, je reprends le goût. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de goûts différents. Je saurais pas vous dire tout. Là, je crois qu'il y a pizza et il y a curry. Ah. Là, il y a chanson et il y a lapin. Mais tu vois, c'est pas logique. Ah non, c'est un poisson. Ah non, pas poisson. Alors, il y a goût soupe de maïs, salade, fromage, mentaï, yakitori, crevette mayo, poulet curry, pizza, teriyaki burger, tonkatsu sauce. Alors, il nous reste 4 trucs. Ah, mais c'est les trucs super connus là, le dinosaure et tout. Avec les petits. Ouais, c'est connu ça. Avec l'arrivée de l'été, de nombreuses friandises en édition limitée font leur apparition au Japon. C'est le cas de ces chocobi saveur melon. Vous pouvez les mettre un peu au réfrigérateur pour obtenir un goût de melon encore plus frais, un vrai délice. Oh, c'est bon! En fait, ça ressemble un peu pour ceux qui ont goûté les Lucky Charms américains. En fait, c'est. On dirait un céréal goût melon. Ici, on a des choco chips. Alors, c'est des petits cookies roses. Ça, ça a l'air bon, ça a l'air trop bon, ouais. Je suis pas sûre en fait. Ça goûte les chocolats là. Ouais, ouais. Attends, ils sont sérieux avec leurs cookies, il y a deux goûts de chocolat. Ces petits cookies au chocolat saveur pastèque sortent tous les ans à l'approche. Saveur pastèque? Ah, ok. Bon, ça va. Ouais, on goûte la pastèque, mais c'est très léger. Ouais. C'est pas trop abusé. Meuf, il y a ton espèce de truc de poulet qui est sur la table comme ça, comme une vieille merde. Du coup, il nous reste 3 trucs. Petit machin, il y a une sucette. Oh, ça sent le bon. Non. C'est quoi ça? Ça a l'air super chimique, c'est des petites boules, on dirait des de singe là, tu sais. Ah, ça pue la merde. J'ai pas envie de sentir comme ça, il y a plus de la merde. Ah! Ah oui! Ah! Ah oui, t'as pété, tu l'as pas dit. Ah, t'as gueulé, regarde, 100% de près. T'as encore dit, t'as gueulé. Ah! Ça pue la merde. Mais non, mais ça pue la merde. C'était pour ça qu'il
Mais c'est pareil, le bonhomme déjà, il est pas content, ça pue la merde. Non mais en fait, vous savez, c'est les dans les mélanges japonais, il y a ça. Au goût des trucs là, ouais, mais en fait c'est pas dégueu, hein. C'est juste que comme ils sont, voilà, ça sent déjà moins. Ah, ton truc, ils sont trop bons. En fait, comme ça, c'est tout compressé dans un paquet, ça sent le caca, mais. Bah oui, c'est juste un truc de mélange japonais. Ah ouais, c'est bon. Mais l'odeur, elle est surprenante. Ça, ça a l'air bon, par contre, ça a l'air des petits bonbons. Vas-y, on goûte. Bonbons saveur ananas fraise. Un peu mou comme ça. Ah ouais, trop bon. Ils sont mous, mais pas trop mous. C'est pas genre aussi mou que des fraises tagata. Ouais, non. Tu peux le mâcher. Trop bon. Trop bon. Trop bon. Trop bon. Du coup, dernier truc. Hello Kitty. Ah, du coup, comment on va partager ça? Bon, bah, bah, je pense qu'on va pas partager. Bref, du coup, bon, du coup, on va faire un petit récap de ce qu'on a mangé, de ce qu'on a préféré, de ce qu'on a moins aimé. Donc, ouais. Moi je dirais en premier, bah voilà, on avait écrit, on avait dit que c'était ça. Je suis d'accord. C'était les trucs au matcha, c'était vraiment les sablés au matcha. Après, c'était tous les trucs là, même si on n'a pas tout goûté, évidemment. Du coup, je suis au poisson, ce truc qui pue bien. Moi, là, au pire, je vais pas les prendre. Au pire, on goûte pas. Ok, bon, non, on goûte 1 à 2 alors. Ouais, on va goûter 1 à 2. Que je sais que vous aimez nous voir partager les mêmes choses. Avant, en plus, j'étais méga nerveuse de la mort et tout. Maintenant, j'en ai plus rien à péter. Je buvais pas après les gens. Et je mange le drap. Oh, je sais pas, genre. Oui, je sais. Mais je n'ai pas dit dans la vidéo. Qui comprendra. Mais du coup, je vais pas rester dans la vidéo maintenant. La meuf, elle m'a mangé trop sensible. Juste d'ailleurs, elle a fait. On a un oignon. Pensez à une vague. Ah, bref, ensuite, ces chips-là. Au Tokiyaki. Après ceux au curry. Mais allez, parce que bon, curry, ils sont bons. Parce que... Ouais, au curry japonais. Ouais, ouais, c'est du curry japonais. Après, c'était ça. Les petits cookies. Les choco chips, le goût pastèque, là, les cookies goût pastèque. Mmh. Et après, du coup, dans le même genre, ils sont les trucs au melon qui étaient plutôt bons. Un suite, je dirais, ouais. Enfin, après, bon, voilà, les trucs au caramel, là. Mais franchement, la texture, moi, je suis pas fan du tout. Mmh. C'est un peu particulier. Les petits bonbons. Ouais, les bonbons à l'ananas. Bon, ceux-là, enfin, limite, tu es en premier, quoi. Ça, c'est tellement bon, ouais. Ça n'a rien à voir. Mais ouais, c'est pas salé, du coup c'est différent. Quoi. Bon, ça c'est le truc de goût de base quoi. Enfin, c'est le truc. Le truc qui pue la merde. Mais en fait, attends, il ressent. C'est une merde en fait. Mais non, c'est un onigiri. En plus, c'est qui, je pense. C'est une merde. Attends, tu fais des merdes de cette forme là, moi je m'inquiéterais. Hein. Et bon, la sucette est que. La sucette Hello Kitty. Évidemment, on l'a pas. On l'a pas. Sucette 2. Non. Et en premier, ça. Ouais, c'est bon là. Mais du coup, ça c'était le meilleur truc, genre au melon, mais trop bon. Ah ouais, ça c'était le number one. Avec les petits biscuits. Mais du coup, on n'a pas goûté les ramen quoi. Et du coup, j'ai goûté la sucette. Bah, c'est une sucette quoi. Elle goûte quoi? La fraise? Elle goûte Hello Kitty. Et du coup voilà, bah en tout cas je vous mets tous les liens dans la description du site. Alors si vous voulez avoir une box, que ce soit la Neon Box, c'est pas celle que j'ai eu là. En fait la Neon Box c'est celle où il y a des goodies etc. Et des cadeaux, des éventails, des figurines, des trucs. Et en plus de la nourriture, moi j'ai demandé à avoir celle qu'avec la nourriture. Donc c'est la Umai Box, U-M-A-I, enfin voilà je crois que c'est comme ça. De toute façon c'est écrit dessus. Et en fait c'est à partir de 28€ par mois. Je crois que c'est par un système d'abonnement. C'est 28€ par mois. Je pense que vous pouvez en commander une, juste une pour avoir le truc, mais je ne suis pas sûre. Et en tout cas, moi j'ai un code de réduction de 10% pour vous et je vous mets le lien. Moi j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que la compagnie de Mélanie vous a plu. Et on vous fait des énormes bisous et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Putain, je suis trop grande, c'est chiant. Désolée. Sérieux, tu viens de dire ta gueule? T'inquiète. Bon allez. Ah, je vais pas être à gauche. Mais t'as dit t'aimes pas être à gauche. Ouais, pour mon profil. Mais alors du coup tu fais... Non mais c'est pas grave. Ah attends. Bon par contre faut juste pas bouger avec le chien. Ouais merde, attends. Je la mets bien et puis après je vais me coucher. Faut juste essayer de pas bouger. Voilà. Vas-y.